Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, c'est toujours avec même plaisir nous comptons rejoindre nous pour l'autre édition émission pour la Haïti 360. Jean Renelli, espace ça, son espace qui va être pour mission, mais pour le faire pour motion, connaissance utile, n'en permettre que ensemble de problèmes que société a traversé, nous exposer au devant à travers lecture en série de monde qui est spécial, et sont bien qui touchés dans le domaine, pour permettre que vous même vous piquez, pour l'inier qu'à blague sur lui, et comme ça, ou même, quand vous campez derrière l'écran, vous regardez l'émission ça, ou à gagner un autre comportement si ça nous dit vraiment arriver sur vous et permettre que ou même eh ben au capable gens nous dit à réagir de l'autre manière et permettre que société aille mieux. Haïti 360 ba tête li pou mission tout pour reconstruire l'histoire d'une autre manière. Pendant tout le monde qui est dans pays a un rôle actif là-dedans à travers gens nous t'a dit tout à l'heure comportement responsable que nous a prêché en dans émission ça. Construction l'autre forme d'haïtien, c'est ça n'a prêché tout en dans Haïti 360, yon haïtien qui responsable qui participait justement dans la vie politique, la vie économique pays. C'est dans ce sens ça Achoya, nous pral exposer devant un phénomène que nous habitué avec, c'est la jeunesse. Place la jeunesse en dans espace politique. Fort souvent toujours tendé grand pile parti politique et même gouvernement en place là a parlé de intégration la jeunesse. Mais qui genre intégration ça a dû faire? Qui côté intégration a de commencer? Est-ce que éducation jeunesse a poursuivre journée jodi a permettre que yo joue un rôle prépondérant vraiment en dans ça qui a passé en dans pays? Est-ce que tout yo ka assumer et ben capable dit toute responsabilité que participation en dans projet haïtien li m'a demandé? C'est tout ça. On va bien pour découvrir ensemble avec nous en dans émission pour là Haïti 360. Mais avant n'a prend pause là n'a prend Haïti 360 qui gens pour jeunes nous jouer un rôle qui est important en dans espace politique yo. C'est sous ça nous pral étaler à soya nous pral garder avec deux jeunes justement, c'est-à-dire moun qui vraiment concerné par question intégration hein. Et ben yo même yo pral dit nous qui gens yo même yo penser que yo ta ka jouer un rôle qui est important en dans la vie pays yo. Pour nous faire ça, nous avons avec nous Jean-Marc Arthur Durant, qui sont jeunes, qui ont étudié sciences politiques en dans faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, en dans université de l'État. Lui-même tout qui est habitué en dans espace politique, parce qu'il était député en dans gouvernement jeunesse là, ils sont anciens sénateurs tout en dans gouvernement jeunesse là et anciens ministres. Donc, sont jeunes qui habitués prennent l'initiative. Libéral gagnant pour le dire nous exactement qui Jean lui-même lui concevoir question intégration jeunesse là en dans espace et politique yo, et tout en espace économique pour qui pas parce que jeunes yo doué en dans toute sphère d'activité en dans pays ya parce que l'avenir c'est yo. Nous gagnons avec nous tout Georges Chemi Jean-Baptiste et yon jeune qui est habitué et avec espace public qui est habitué prendre la parole qui est habitué avec groupement politique parce que c'est vice-président Remé Haïti. Josmi Jean-Baptiste son jeune qui étudie en dans université l'état, monsieur étudie et pharmacie en dans université l'état. Donc ou ka comprendre c'est des jeunes qui valables yo même qui décide yo même y a prêt dans pays y a pour bataille mais jeunes ça yo pral partager expérience avec nous yo pral di nous qui Jean yo wè yo même yo capable de jouer un rôle important en dans projet reconstruction et relance pays d'Haïti qui prend en pile patasuel soit en catastrophe naturelle ou bien en dans question instabilité politique là qui pas jamais suspendre et ben bail la jeunesse gros problème. N'a commencé avec Georges Chemi Jean-Baptiste lui-même qui en dans remet Haïti. Georges Chemi yon thématique nous capable dit qu'il y a la mode qui gens pour jeunes yo jouent un rôle qui est important ou même en dans remet Haïti. Est-ce que dans parti politique yo, par rapport avec ce qu'on vit jour et jour dia, eh ben yo ba nous place vraiment pour nous faire voir nous et justement et yo tande voir nous. Bonsoir Lionel et permettez-moi saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices tant que moi toujours gain lice, c'est toujours un plaisir un pile contentement chaque fois me gain chance ba disons pas en tant que citoyen mais particulièrement en tant que jeune. Et surtout ça qui a passé dans le pays. Et comme question li direct, et je dis moi au cœur de la chose, historiquement, li pas tracé et que dans les partis politiques, jeunes sont capables d'émerger comme li fait dans un pilote société. Mais poids historique ça que partis politiques a porté à jodien et mandé que partis politiques d'une manière générale sans que moi pas vraiment pointer du doigt partis politiques que moi appartenir
supposé comprendre que poids historique, ça fait que jeunes, d'une manière générale, ils ont peur politique. Parce que, en entendant nous, un parti politique, par définition, c'est un incubateur d'hommes et de femmes politiques. Or, comme il n'y a pas de génération spontanée, on est ou bien femme qui a envie de faire politique, il faut commencer à apprendre sa politique. Là. Et malheureusement, malgré que le parti n'est pas attractif, qui puis bon côté jeune ça a commencé à apprendre à faire politique dans le parti politique. Ça veut dire presque obligatoire, pour ne pas dire même de tout nos devoirs, que le parti politique permette que les jeunes intègrent l'espace. Ne serait-ce que pour apprendre, mais aussi pour acquérir d'expérience, parce que si la jeunesse c'est l'avenir, les jeunes vont occuper l'espace public. Meilleur espace que je ne suis capable de commencer à comprendre ce que c'est la chose publique, c'est les partis politiques. Donc, sont quelque part son espace de construction de futurs dirigeants pour le pays. Certainement, son espace de construction de futurs dirigeants. Et c'est ça que fait aujourd'hui la jeunesse supposée, pas tant que ces partis politiques, certaines partis étaient supposés ouvrir les bras, permettre aux jeunes d'intégrer. Mais jeunes, tout qui supposé comprendre aujourd'hui, ou jeunes, maintenant 5 ans, ou peut-être adultes ou grand monde. Et comme ou appeler pour intégrer ou pour participer dans le changement pays, eh bien, faut jeunes yo vini vers le parti politique yo. Et en plus, jeunes te fait expérience, et je dis, je suis capable de dire, moi, pas déçu du tout qu'à un certain moment de la durée, moi, j'ai décidé de faire politique et j'ai décidé d'apprendre dans le parti politique. Et chemin faisant, je dis, en tant que jeune, ça m'a demandé 10 ans d'expérience, moi, arrivé cheminer pour que moi, occupé en poste de vice-président de parti politique, qui, je dis, a son très belle expérience que moi, t'as aimé en pile l'autre jeune fait dans un pile l'autre espace politique. Jeunio, Jean-Marc Arthur Dorant, souvent exclu. Et exclusion, elle est presque systématique. Ou même, moi, habitué, à travers l'initiative, ça, gouvernement jeunesse, occuper des fonctions, on est capable de dire ça comme ça. Et qui, Jean, nous-mêmes, nous arranger nous, pour une bataille contre forme d'exclusion ça, dans la société, là, et permettre que voix Jeunio arrive plus loin? Tout d'abord, permettez-moi de saluer téléspectateurs et téléspectatrices. Haïti 360, c'est un plaisir pour moi partager la plateforme dans le plateau ensemble avec Georges Michel Baptiste, qui sont un jeune leader dans la société. Et c'est un plaisir tout pour me répondre à l'invitation. Permettez-moi de dire que le gouvernement jeunesse avec le Parlement jeunesse, c'est une initiative de l'Association des volontaires pour la démocratie, mettez sous pied côté que les jeunes ont une possibilité pour postuler. C'est sous concours recruter jeunes députés, jeunes sénateurs et jeunes ministres. Mm-hmm. Peut-être deux postes qui n'ont pas recruté sur le concours, c'est jeunes premiers ministres et jeunes présidents. Et là, c'est des jeunes qui passaient dans l'ouage, qui étaient jeunes députés, jeunes sénateurs, jeunes ministres, qui viennent sélectionner comme jeunes premiers ministres et jeunes présidents de la République. Permettez-moi que pour répondre à la question, là, qui vient nous-mêmes au sein de structure, ça, bien que je dis, je ne fais partie de structure là encore parce que je me fais tout cheminement et malheureusement, je ne fais pas pour les jeunes premiers ministres, les jeunes présidents de la République. Mais il faut nous dire que dans la structure, ça, une, ça a dit jeune, qui pour faire que jeune, vous boumez contre l'exclusion, c'est prendre initiative. Parce que vous n'avez pas fait cadeau. Pas une pièce société qui va le faire cadeau. Hein. C'est vous qui prenez initiative, c'est vous qui créez espace pour bâtir tête ou valeur, c'est vous qui créez espace pour faire passer message, c'est vous qui créez espace pour porter ce qu'a porté la société. Et souvent, en tant que jeune, je dis en pré-initiative, Jean-Georges Michel dit là, souvent, vous aller vers l'espace politique ou bien vers espace économique ou bien espace politique, vous ne pouvez pas venir chercher. Si vous êtes chita la carrière ou pas inscrit dans le parti politique, si vous êtes chita la carrière ou pas contrer à des entrepreneurs qui ont une expérience déjà, qui vous partagent l'expérience à vous pour apprendre et que vous-même, pour voter innovation, pour voter des idées nouvelles, on n'est pas fait, on n'est pas changé. J'en ai souvent dit que pour que vous fermez devant vous, il faut que vous forcez les verrous, vous arrivez à entrer. Parce que quelque part, génération avant vous, pas bail au passé. Est-ce que nous-mêmes, qui nous fait, qui ça nous mettait en œuvre, qui permet, je vous dis, à nous capables, justement, paraître devant et devant les écrans? Alors, il faut que tous les jeunes dans le pays comprennent que nous ne sommes pas trop pressés. Jean-Georges Midi, là, par une génération spontanée. C'est vrai pour tout cas fermé jeudi, hein, mais nous avons des exemples concrets devant nous. Par exemple, un jeune comme Alexandre Telfort-Fils, par exemple, ou bien Charles Jacqueline Junior, qui sont deux jeunes qui ont pris l'initiative Parlement jeunesse et gouvernement jeunesse, qui étaient jeunes présidents, une jeune ministre. Je disais que c'est deux conseillers présidents. Un, par exemple, un jeune comme Adrien Pascal, par exemple, qui vient. Mais chef cabinet, ancien président du Sénat, Yuri La Tortue, ou bien un jeune encore, Tokou Jojmi, qui vient président, vice-président de Haïti. Porte pas fermé. C'est nous qui manquons l'initiative, c'est nous qui manquons à frapper porte. D'ailleurs, même Bible dit ça. Mandez, on va trouver. Donc, c'est frapper porte autant que nous capables. Et même si vous prenez refus, ça ne va pas rien. Sous pas ici, ou pas, j'aime tenter chansou. Pièce souhaite pas ouvrir. Très bien. Alors, Change Midorant, pratiquement à travers le monde, je vous dis,
Le fondamental, c'est redonner la parole aux jeunes et c'est rajeunir la démocratie même. Vous pensez, et par rapport avec ce qu'on vive en espace politique haïtien, où est l'effort de rajeunissement de la démocratie ça a fait actuellement en Haïti? Ok. Pour moi-même, son virage est historique que qu'un secteur d'un pays d'Haïti pas supposé rater. Parce que, et monsieur, dame qui étudie chiffre audio, quand on a plus de, que majorité en pays qui jeune, son bonus démographique, son base de ressources humaines, que n'importe quel secteur t'a supposé à profiter et utiliser pour permettre que vous créez valeur ajoutée dans quel que soit ce domaine qui a intervenu. Et moi-même, je pense que au-delà de barrières, ou bien au-delà de tradition qui dit que il y a un V ou n'importe quoi, etc., moi-même, je comprends ni l'autre genre. Et on jeune, non seulement il faut frapper porte là, frapper, mais il faut marcher à chaise ou tout. Parce que d'accord, c'est dans tous les pays du monde. Si Lionel occupe un espace, il ne peut pas lever gentiment comme chita sous chaise là. Surtout si l'espace est un espace d'influence. Donc c'est ça, c'est le choc des générations. Certainement, certainement. Maintenant, moi-même, c'est ça, je dis tout jeune, quel que soit côté passé, en tant que groupe majoritaire, il faut nous suspendre considérer tête nous comme victimes. Oui, il faut prendre des initiatives. Et si nous avons ces jeunes-là, ils sont légion des jeunes qui, tant que nous, qui peut-être pipiti passé, nous qui prennent des initiatives. Je dis à l'initiative, ça va au résultat. Mais pas de chita, Henry, là, quand même, et bioterre, les mieux, t'es dit, je suis attendu, nous avons posé ce président dans le Haïti, nous avons envie d'occuper. J'ai fait des choix. À l'université, j'ai fait des choix. Lorsque je quitte l'université dans l'espace professionnel, je fais des choix. Je prends une initiative et je estime que par rapport à ça, je me développe comme capacité. La politique intéressée. Je fais encore des choix. Je me lève. Je ne parle pas. Et maintenant, je dis tout jeune ça. Ce n'est pas en vérité que vous faites comprendre que le conseil de l'espace n'a pas de pa jeunes et possibilités. Il y a deux espaces dans le pays. Moi-même, moi j'ai fait expérience dans deux partis politiques. Moi, j'ai de l'autre ami dans l'autre parti politique. Ce n'est pas forcément ça. C'est parce que, dans une série de jeunes qui ont des idées préconçues, ils ont une perception que le parti politique n'est pas fait pour eux ou pas intégré. Mais je vous dis, il faut que les jeunes changent la dynamique, intégrer l'espace et mettre à profit la capacité ou la compétence. Et c'est ça, je vous dis, seulement pour permettre que on jeune pas grand monde en valeur. Parce que, dès pour jeunes, il ne faut pas envie de court-circuiter l'espace, il ne faut pas envie de prendre ascenseur, c'est escalier. Pour donc, faut qu'on grandisse graduellement. Il faut apprendre de nos aînés pour que, si nous estimons que aînés nous ont fait des erreurs, pour nous-mêmes, dans 10-15 ans, nous offrir mieux que eux. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important dans l'intervention, c'est ça que Georges Jean-Baptiste lui fait. C'est le fait que il pas concevoir même avec un pilote jeune dans la rue que monde qui était en vent aussi des ennemis, c'est des jeunes d'adia là, des monde qui grand en facio mais qui a goumé avec, c'est pas ça lié. Quelque part, c'est des monde qui doit supposer justement à créer conditions favorables pour permettre que jeunes yo gon meilleure intégration. D'ailleurs, monde qui pense c'est eux même qui produit jeunes yo, que ce soit comme parents mais également à travers ça dans l'espace de socialisation côté, c'est eux même qui occupent yo et qui participent dans la construction en ben forme de jeunesse que nous gagnons aujourd'hui. Justement Dorot, gon qui est extrêmement important. Moun parler pour question intégration jeunesse surtout de un climat propice à l'intégration ça. Journée aujourd'hui en Haïti, je nous fais face avec un pile de difficultés là dans yo situation socio-économique là qui pas jamais suspend dégradé. Est-ce que ou même difficulté ça yo qui fait face avec yo le et pour te participer dans genre d'initiative ça parce que quelque part ou pas mandon jeune pour la chute à nos partis politiques, pour la chute à nos assemblées pendant ce temps la caillie, il pas même ka bon goûter de l'eau, il pas ka bon café le lever le matin. Qui j'en sais pour vous, pour l'autre jeune pareil ou que t'en dedans et type d'association ça? Bon, ma sincère et frère, même j'ai tout l'autre jeune pays, même fait partie de la classe moyenne, moi rencontre un peu de difficultés. Mais même quand on est content dans la vie ou sacrifier tout pour former tout, ou sacrifier tout pour poser première pierre pour construire tout. De Parlement jeunesse, gouvernement jeunesse, je dis à moi, c'est assistant, une dans conseiller président qui est membre de la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle. Je vois plus le chemin. Mais tout n'est pas facile pour moi. Même tu as accepté pendant ce temps pour me souffrir, pour me arriver côté de moi aujourd'hui. Et jusqu'à présent, je suis arrivé côté de moi. D'ailleurs, je dis à moi, il n'y a pas trop longtemps que je prends initiative pour me faire politique active tout le monde dans le pays. Je rentre dans un mouvement qui est Génération Debout, même Jean.
avec un pile d'autres jeunes garçons, avec jeunes femmes qui font partie du mouvement ça. Et jusqu'à présent, c'est un mouvement qui beaucoup j'aime pour pièce initiative publique. C'est un mouvement côté que nous dit, nous avons une période de temps pour nous former tête nous, pour nous structurer le mouvement. Nous avons une période de temps tout pour que jeunes qui absorbent le mouvement ça, ils ne viennent pas vivre de politique. Parce que c'est une. Ils ne pas vivre de politique seulement. Ils ne pas vivre de politique dans le sens où ils rentrent dans la politique parce qu'ils cherchent un job. Parce que c'est une. Problème qui gagne, je dis, dans la politique. En pile, on fait politique en Haïti, je dis, parce qu'il y a cherché un job. Par exemple, moi, je vais lancer Pro Consulting Group. Pro Consulting Group, c'est un dans mouvement ça que j'ai des consultants, des mentors qui ont travaillé ensemble avec moi pour me mettre propre entreprise par sous pied. Parce que moi, j'ai des ambitions politiques et je connais que moi, je ne vais pas venir député, je ne vais pas venir sénateur, probablement ministre ou président de la République, parce que j'ai besoin de chèque chaque mois pour assurer manger, me dormir, me lever. Donc, pour qu'ils sauvent les vignes, sénateurs, députés, sur ça. Pour servir le pays. Très bien. C'est pour ça, je dis, pour tout jeune, vous voulez faire politique dans le pays. On voulait faire politique pour ça, pour servir le pays. Le pays passe avant tout. Quand il y a la souffle, vous voulez faire quoi pour vivre, vous voulez faire quoi pour vivre multimillionnaire, milliardaire, faire business. C'est ça que fait me bien content, j'ai été approché sujet. Hein. C'est pas pour jeune intégrer seulement espace public, espace politique, mais faut intégrer espace économique. Georges Mi, par exemple, Georges Mi, je connais Georges Mi très bien, apparemment pendant une bonne période de temps. Georges Mi, pas ta faire politique, Georges Mi, t'as construit tête comme entrepreneur. Je dis à Georges Mi, pas mal vivre de politique dans le pays, Georges Mi a vivre de business li, pendant que la mette connaissance li, leadership li, savoir li au service du pays. Très bien. Paroles jeunesse là sont paroles éclairées. Ou capable de voir ça pendant la première motion émission, hein, côté en pile paroles parlé là, des paroles qui t'a inspiré l'autre jeune, qui a gardé l'émission dans le moment ça. Nous pensons que paroles éclairées ça, vous devez continuer à parler dans l'espace public là, c'est raison ça. Qui fait télévision l'État, mettez émission ça à son pied, dans l'idée pour permettre que tout le monde qui a un bagage pour dire, qui est valable, qui a aidé le pays à construire notre façon, un bonjour nos côtés pour dire. N'a pas proposé là, n'a pas tourné pour nous continuer avec débat éclairé ça, qui permettre ou même qui chita la caillou, eh bien, commencer à réfléchir, sur qui j'en ai engagé, parce que être citoyen, c'est d'abord savoir s'engager au profit de son pays. N'a pas tourné. Haïti 360, c'est l'émission ça, on va suivre dans le moment sur la télévision nationale d'Haïti. Et on a parlé de qui Jean pour jeunes occupent une place qui est bien important dans l'espace politique là. Parce que bien souvent, les jeunes font face à cette nouvelle exclusion et en l'espace politique, côté parti, pas vraiment renouveler tête, et sans compter dans la mouvance politique, tout pas vraiment une place importante alors que vous connaissez depuis des mouvements politiques, depuis des troubles politiques, depuis des nouvelles. Tension sociale, jeunes yo toujours à l'avant-garde, yo même pour y demander changement. D'ailleurs, jeunesse là même ces vecteurs changement li dans tout pays sous la terre, changement par contre vini sans que la jeunesse pas une participation active en donne. C'est raison ça que fait nous recevoir à ce rapour Georges Jean-Baptiste qui c'est eh ben vice-président et Rémi Haïti, un parti politique qui habitué gagner des candidats à la présidence et qui représentait pratiquement dans tout poste électif yo. Et nous gagnons avec nous tout Jean-Marc Arthur Dorant, lui-même qui est son ancien député, ancien sénateur, ancien ministre tout et gouvernement jeunesse là qui a brassé l'idée avec nous. Cap essayer plus ou moins expliquer nous qui j'ai été fait ou même pour sortir tête yo et essayer by tête yon l'autre élan permettre que yon gon participation qui beaucoup plus importante en dedans et société haïtienne et permettre tout que l'avenir il n'a demandé qui pour construire l'autre façon yon même yon ka un rôle important là-dedans. Georges Michel Baptiste un élément important c'est le climat, l'environnement. Est-ce que yon jodi a un environnement propice justement pour ta permettre que jeune yo joue un rôle qui plus important dans l'espace politique là? Et on permet moi et me pas en train de dédouaner et quel responsable que ce soit au niveau de l'État ou bien au niveau de secteur économique yo, que je dis effectivement le climat n'est pas propice. Et m'a rappelé que nous sommes en 2018 côté que nous victimes par ce fléau qui malheureusement est pas trop intéressant pour le monde côté que la jeunesse, la force motrice, force changement tout pays a quitté de manière systématique. Certainement c'est parce que quand on pile l'autre pays, nous pas gain de cheminement qui préalablement tracé ou jeune capable pour connait moins soutenir université mais ça capitaine moi. Je dis à ça existe aussi comme problématique côté que ou capable soutenir dans université ou professionnellement bien formé mais l'arrivée sur marché de travail là ou ces jeunes mais premier côté pour postuler ou dit faut gain 50 travail. Et c'est pour ça moi même je dis à m'a dit à la jeunesse qui regarde il faut que yo apprenne mettre en réseau, mettre en groupe.
Moi-même, à un certain moment de la durée, je me fais face à ça. Nous tous pas gagné même éducation, mm-hmm. nous tous pas dans le même environnement, nous tous pas abordé le problème même gens. Il y a nous qui ont un problème comme on occasion pour nous courir. Mm-hmm. Mais il y a nous qui ont un problème comme opportunité. C'est pour ça qu'un pile jeune mettait en réseau. Moi-même, je dis, à un certain moment, nous mettons nous en réseau, plusieurs jeunes, nous créons des entreprises collectives. Et je dis, entreprise ça va permettre que les cop qui retournent dans poche chaque jeune garçon ou jeune femme qui constitue eux et qui permettent aux jeunes ça va commencer capable impliquer dans la vie sociale, dans la vie politique de leur pays. Moi, je dis à permettre que tout le monde qui a une certaine responsabilité dans le pays en quelque sorte faut que nous arrangions pour améliorer le climat parce que ou pas capable effectivement dire jeune ou peur mais climat tout n'est pas propice parce que les pas de travail. Le pas gain opportunité même pour qui n'a qui gain profession le ou mon pays côté que nous préparons seulement pour nèg qui soutenir université pas gain politique publique sportive pas gain politique publique artistique côté nèg assez rappelier ou comme si dit société a pas fait pour lui parce que c'est quelques rappeurs qui réussissent si nèg là c'est footballeur lui ou pas même dit pays a fait pour lui parce que footballeur réussit au compte au sud-ouest. Or il faut faire d'Haïti un pays d'opportunité, ça veut dire moi gain droit pas décider médecin, moi gain droit pas décider faire politique, me décider c'est football m'a jouer. Qui le n'a fait de Haïti son pays d'opportunité où la jeunesse diversifiée. Moi-même, je parle de jeunesse, puis il y a quelqu'un qui pense que je parle de jeunes qui passent dans l'université de l'État. Je parle de cette jeunesse, je parle de Bridgenio, je parle de nègres qui c'est graffiti, je parle de nègres qui c'est musique, je parle de jeunes, c'est football. Il faut que nous créions un pays côté que tous les jeunes sont capables de retrouver de façon à faire d'Haïti vraiment un pays d'opportunité. Alors, Georges-Michel Baptiste mettait accent sur son point essentiel, c'est la question d'opportunité en nos pays pour permettre que, justement, que jeunes, d'ailleurs, qui a migrer par pile, par paquet vers les côtes de l'Amérique latine, nous-mêmes dans le pays, justement pour essayer de développer connaissances et participer, je ne dis pas, dans la construction du pays, dans le renouvellement, et que ce soit dans la classe économique, là, mais également dans la classe politique. Là. Mais ça m'a dit toute une mise en place, il y a des structures dans l'État lui-même qui doit jouer sur ça. Par exemple, et que ce soit le gouvernement, le Parlement, la société civile, tout un rôle pour jouer, n'en permettre que l'opportunité ça ait eu là et permettre que les jeunes aient une meilleure intégration. Et qui j'en ouais ça nous-mêmes en dedans et gouvernement jeunesse là? Bon, il faut préciser que je ne vais pas parler dans le gouvernement jeunesse avec le Parlement jeunesse parce que ça fait bien longtemps que je quitte ce sujet. Mais qui j'en dis ouais ça à l'époque? À l'époque, nous étions dans le gouvernement jeunesse avec le Parlement jeunesse, c'était peut-être un dimanche même j'ai avec Georges Michel Baptiste pour nous intégrer toute couche jeune qui n'est pas payé en dedans intégration ça. Nous pas disons indexer un secteur en particulier dans le pays de responsable parce que nous tous connaissons que nous tous responsables de l'État pays, nous tous responsables de l'environnement, nous tous responsables de climat qui pas propice, qui pas bas opportunité avec les jeunes. Cependant, nous sommes toujours allés dans une démarche et jusqu'à présent, la génération debout, c'est ça m'a prôné. Nous allons dans une démarche côté que nous, 10 jeunes, même si il y a des difficultés, mais ou même nous devons prendre l'initiative. Parce que toutes difficultés qui présentent devant, c'est des opportunités que oui. Ou prendre difficulté ça ou transformer des opportunités pour avoir l'autre résultat que des résultats que en plus fois que des monde pas espérer grâce à aujourd'hui là avec nouvelle technologie on gon paquet de barrières que jeunesse nous a franchi grâce aujourd'hui avec nouvelle technologie nous ca beaucoup plus en réseautage par rapport à avant grâce à nouvelle technologie aujourd'hui là on jeune qui au cap en communication à l'aise comme les gens me dit là quand nous avec un jeune qui au cap grâce à nouvelle technologie un jeune qui chita dans Port-au-Prince là quand en communication Jean Lidil dit avec un jeune qui Brésil qui Chili même j'ai en communication avec un jeune qui Taïwan ou un jeune qui en Corée du Sud ou Corée du Nord. Mais ça veut dire Georges Pinto dit un bail qui fondamental on pas parler chita la caillou mais parce qu'on dit qu'on gagne capacité pour remplir quelque telle fonction que l'autre monde qui déjà dans fonction pour ouvrir porte là-bas ou nous même qui ça nous gagne comme moyen de contrainte comme moyen de lutte comme méthode de lutte justement pour nous arriver prendre place que nous méritons dans la société qui ça jeunesse gagne si vous voulez ma bonne question là comme ça qui ça jeunesse gagne je dis encore comme moyen en même premier bagage jeunesse ça gagne en même je dis là je suis bien content que me partager la plateforme avec Georges Mi c'est que nous avons volonté pour nous faire bailler autrement. Ça c'est premier bail nous gagne et deuxième bail nous gagne c'est que nous toutes la génération ça qui a monté une génération de jeunes leaders ça qui gagne c'est que nous toutes voulons web bailler un seul gens bien que je dis un Georges Mi a choisi gagner Haïti que moi fais partie d'un mouvement que les générations debout mais nous toutes on suis certain que nous toutes a travaillé pour Haïti et nous toutes voulons travailler pour Haïti donc moi c'est deux bail ça aussi nous mettez en commun
Et si nous acceptons malgré le choix politique nous, et que nous tous voulons travailler pour Haïti, nous tous devons travailler pour Haïti, mais c'est plus gros bâton que nous rien amène pour nous sortir payer dans ce là. Et m'a dit encore, je ne vais pas faire un cadeau. C'est prendre pour nous prendre l'initiative. C'est intégrer pour intégrer l'espace public, c'est intégrer pour intégrer l'espace politique, c'est intégrer pour intégrer l'espace économique. Jusqu'à ce que je dis bon, nous faisons valoir tête, nous, jusqu'à ce que je dis bon, nous pouvons, ça n'a besoin de dire que bonne baille aux responsabilités. Très bien. Qui place pour jeunes en dans espace politique yo, c'est thématique ça n'a débat pour assoyer avec deux jeunes et qui vraiment bien formés qui a payé et fait opinion couler en dans thématique là dans l'idée pour permettre pour pique et comprendre tout qui réseau fait nous pour arriver tel côté et qui réseau fait journée aujourd'hui c'est tel l'autre côté nous. Josh Mirian Baptiste, qui moyen de lutte qui ça nous gagne comme méthode de lutte dans mais nous pour nous arriver prendre place nous parce que on t'a dit d'aller très clairement. Pas de quel monde qui n'a qu'une place qui va retirer l'école pour passer. Donc, il y a qui j'en même passe. Ok. Malheureusement, pas une formule générique, Lionel. Une formule générique côté que nous sommes capables de bailler à soi et tout jeune utiliser. Nous avons une société qui est vraiment hétérogène à tous les points de vue. Jean-Papa nous éduquer. Éduquer nous et la Tibonite c'est pas comme ça l'éduquer nous grandant ce qui vient faire que nous tout pas réagir même jamais on barre m'a dit à la jeunesse et c'est lui me dit aujourd'hui hein, nous puis plus mettez-nous en réseau depuis nous mettez-nous en réseau nous créer des institutions que ce soit à travers de initiatives privées business à travers de initiatives sociales à travers de initiatives politiques. Si il y a 50 jeunes qui ont un espace qui prennent une initiative business par exemple, il y a plus de chances pour faire réussir si c'est deux jeunes qui te prennent. Comme nous puis plus et moi je dis par exemple les partis politiques que jeunes ont peur. Moi dis jeunes ont impliqué partis politiques. Si nous voulons faire politique rentrer dans parti, nous allons saisir ouais comment deux monde qui là 85 86 qui c'est de super aînés pour aller ban nous espace parce que moi-même d'expérience quand tu as une capacité en tant que jeune, il est impossible pour nos espaces pour faire valoir capacité d'un certainement avec tout le respect pour nos aînés. Parce que moi, je dis déjà, aussi critique que nous avons critique envers aînés, nous sommes supposés, nous supposons apprendre de eux ou au contraire pour nous pas faire même eux. Alors, pendant qu'on dit ça là, il y a des gens qui ont gardé la capri. Et parce que les gens ont gardé le 86 à nos jours, différents partis politiques, que ce soit avant 86, mais après 86, tout vient construit et qu'il l'a aujourd'hui, c'est très rare les partis politiques qui permettent justement une intégration. Jeunes qui permettent que jeunes montent justement dans la pyramide et partis pour occuper des postes importants. Peut-être que Rémi Haïti sont une exception, mais globalement, ce n'est pas comme ça lié. Donc, oui, mais maintenant, c'est ça, moi, je dis. Rémi Haïti pas voulu comme si trop paraître comme exception. Moi, je suis un jeune garçon qui intègre les partis. Moi, cheminer dans les partis. Moi, fais expérience pour partir dans la périphérie. Moi, fais expérience pour partir au niveau de l'Ouest. Là. Et ensuite, moi, candidat pour vice-président dans le directoire national. Mais le parti, il y a des jeunes qui cheminent dans la période. Maintenant, c'est ça que fait me dire qu'il faut jeunes au groupe. Aujourd'hui, hein, Lionel, si nous, 300 jeunes dans nos partis politiques, nous sommes capables de faire, par exemple, pression positive suffisante sous des mondes que nous les conservateurs pour élargir le cadre. Heureusement, il y a des partis politiques qui déjà poté et qui gagnent à ça. Mais nous, tout gagne de partis politiques, les jeunes nous disent qu'ils ont besoin d'espace. Nous, nous que qu'ils arrivent à secouer la structure qui l'a pendant longtemps. C'est ça que fait moi-même. Je dis qu'un jeune dans un pays n'est pas considéré comme victime. Qui jeune qui semble où sont les qui aiment social, qui jeune qui fait social qui semble où sont les qui aiment business, qui jeune qui fait business qui semble où sont les jeunes qui aiment politique. Dans pile modèle de jeunes aujourd'hui dans le pays qui fait politique pour chercher, pour mettre dans le réseau et si nous comprenons bien, même gens pour nous faire influence parce que dans tous les pays du monde, qualité politique, qualité économie, tout est une question de rapport de force. Merci. Comme la jeunesse est majoritaire dans le pays, pourquoi on ne crée pas ce rapport de force pour faire changer les choses? Georges Vincent Baptiste parle d'or, parce que nous comprenons ça. Nous comprenons ça, nous même regardé l'émission à un moment. Nous vivons dans une société, dans un système d'une manière générale, parce que c'est pas que Haïti, Haïti pour une exception à la règle. Côté système, nous avons tendance pour isoler l'individu dans l'espace social là, et là, ça arrive au vin plus faible. Seule façon pour faire résistance et arriver à atteindre certains objectifs, justement, c'est le nous regrouper. Et là, je pense que c'est un exemple patent et que Josh Miba est là pour nous montrer que et là nous mettons tête nous ensemble, nous-mêmes jeunes, et ben nous plus important, nous plus impact dans la construction de l'avenir. C'est ça qui est plus important dans la tranche ça dans l'émission. Nous allons tourner à propos là pour nous continuer à parler. Parce que dans pile l'autre élément, par exemple, la question de genre, intégration femme mieux, qui est beaucoup plus compliquée que l'intégration garçon. Mais avant de faire ça, nous allons proposer ça.
Haïti 360. C'est émission à suivre dans le moment sur la télévision nationale d'Haïti. Côté n'a parlé de qui place le jeune t'a dû occuper en dans espace politique. Remarquez, nous dit espace politique, nous pas dit parti politique. Parce que ça n'a pas là, il est beaucoup plus large, il est allé beaucoup plus loin qu'en question de parti politique. C'est vrai, parti politique, c'est un espace tout qui permet que jeune li joine au côté pour l'exprimer et commencer à construire tête li justement pour investir espace politique là. Mais c'est pas seul côté qui a fait ça. Et Chochmi Jean-Baptiste, c'est un exemple clair et sous qui jeune yo ka organisé pour arriver réaliser quelques bagailles dans la société à même les conditions pas toujours favorables pour eux. Jean-Marc Arthur Durant, nous t'a parlé tout à l'heure avant de prendre pause là de question intégration mais sur l'autre base. Pour mesdames yo intégration plus difficile d'ailleurs dans une société nous pas besoin de cacher une société qui est très machiste, gens construit même et par rapport avec origine sociale nous-mêmes. Jour et jour dit dans bataille qui fait dans différents groupes associations qui participer. Qui gens nous-mêmes nous ouais place jeune mesdames yo en dans espace politique là. Et bah c'est parlement jeunesse avec le gouvernement jeunesse forme du que parlement jeunesse avec le gouvernement jeunesse est allé au-delà à l'époque que me dit parlement jeunesse et gouvernement jeunesse est allé au-delà même de quota 30%. C'est-à-dire une jeune fille est capable de concourir même à tout jeune garçon pour circonscription là c'est lui qui fait meilleure note là les jeunes députés. Si son jeune garçon qui fait meilleure note là tout les jeunes députés. C'était même gens pour l'aime d'abrétré dans le jeune Sénat de la République là et c'était même gens pratiquement pour l'aime devenir jeune ministre, les membres du jeune gouvernement. Je disais moi-même qui fait partie de génération debout, bien génération debout qui j'en ouel. Pas de différence entre femme et garçon en politique. Même gens, monsieur Kagoumé, pour prendre place sur l'échiquier politique là, c'est même gens, jeune femme Kagoumé, pour prendre place sur l'échiquier politique là. C'est ça qui fait, dans le mouvement ça même, nous avons monté, nous avons différencié groupe. Femmes, groupe garçon. Son mouvement général, ni pour ni filles, ni pour garçons. Femmes, je dis là, vous devez comprendre, jeunes filles, surtout, vous devez comprendre que même Jean-Moi-Même ou bien Georges Miki sur la plateforme, nous intégrer dans l'espace public, nous abouons dans la militaire dans l'espace public, nous même tout, vous devez intégrer, vous devez faire effort. Et Dieu soit loué, grand l'organisation femmes qui prennent licence dernière année, et qui a poussé mesdames à prendre des initiatives. C'est très bien. Même parce que mesdames qui sont impliquées. Je vous représente une bonne tranche dans la société haïtienne et jusqu'à présent, dans une initiative que tu as supposé prendre, que tu n'as pas pris. Justement, est-ce que pas parce que Jean, la société a construit justement, qui empêchait ou bien tabou, ça peut être que femme politique oui. Pour femme qui fait que. Oui, c'est, pas, oui, oui, c'est. Alors, qu'est-ce que ça nous fait nous-mêmes pour nous transcender et oui, c'est Jean, oui, c'est Jean, la société a construit, certes. Mais si on a dit que, même j'ai tout l'autre jeune dans le pays, dit que politique, c'est pas un monde sale, je ne sais pas, je dis. Si je forcer pour là moi rentrer dans parlement jeunesse moi rentrer dans gouvernement jeunesse je dis pour me venir assistant une dans conseil président on bat table là je dis si me dérété me dit que société dit fille c'est elle si fille aurait été dit que je dis société dit fille c'est tel métier qui fait pour fille c'est telle fonction qu'a occupé seulement fille c'est ça seulement qu'a fait mais en sérieux ces garçons qui prennent toute poste politique n'est pas donc faut mesdames engager c'est yo pas fait m'a prédit là encore yo pas fait pièce pour cadeau rien sur la terre c'est eux qui pour prendre initiative c'est eux pour créer et côté qui gagne difficulté yo ou créer ou possibilité pour même ou passer chaque difficulté qui vient devant c'est des opportunités à exploiter pour vivre pour innover pour changer dans nous nous en 2018 nous conscient que bah yo pas arrêter j'ai dit j'ai rien engager prendre initiative mettre tête nous dehors m'a dit mettre tête dehors à faire manifestation mais Jean-Georges Bisson dit structurer nous organiser nous mettre tête nous ensemble. Georges Jean-Baptiste qui Jean ou même par rapport avec structure qu'on a dans nous concevoir intégration mesdames parce que quelque part nous pas ba tête nous menti c'est plus compliqué pour mesdames que pour garçons yo en dans l'histoire. OK moi même on permettre que moi aborder question Jean l'autre Jean et parce que si nous mal poser problème nous pas jamais résoudre. Moi estime que gon équipe espace social, espace politique, espace économique, qu'on pas jeune femme et puis nous des fois dit c'est espace ça qui machiste alors que espace là sont victimes de aménagement sociétaire. Jodi moi même en don parti politique, c'est notre bataille parce que m'a rappelé pour tout le monde qui suivre nous que Remé Haïti choisi comme pilier groupe ça qui majoritaire mais qui dans la structure sociale ou la structure ça n'est l'establishment là exclusif femme yo
c'est géniaux, c'est paysans et puis diaspora qui jodi a celle qu'on nous prend mais n'oublier toute l'autre bagarre on pas intégrer là. Question Jean là, jodi nous même comme parti politique, jodi qui ça n'a pas articulé comme discours, c'est aller porter débat nan niveau qui pi bas en amont côté problème nan poser parce que regarde qui j'en famille a structuré, regarde qui j'en l'église fait bagaille là, regarde qui j'en espace universitaire yo aménagé. C'est depuis là yo commencé, regarde qui j'en l'école yo. Des monde qui répondre rapidement du bon éducation religieuse qui fait dès le plus jeune âge qui permettent que tout monde intégré. Mais est-ce que éducation à la citoyenneté ça nous même dans parti politique yo en dans l'espace politique que gouvernement jeunesse nous rive faire li pour nous permettre que c'est ça yo et toute notre couche société à comprendre que faut yo intégré dans la parti politique que mi a jodi. Moi bon directeur 23 moun. Mais nous d'accord que faut que nous gagne 10 femmes qui occupent des postes stratégiques. C'est pas deux femmes comme si nous gal dit mon chef femme ça vienne conseiller et d'entre Dieu dans statut nous dit faut 10 femmes là-dedans. Qu'on a qui ça vienne faire sur nous même comme garçon, nous obligé à chercher deux femmes qui ont capacité et compétence. Parce que m'a rappelé pour tout le monde. Le depuis dans base là, yo exclu femme, yo fait comprendre que li gon équipe ba li pas ka faire femme dans vienne pas préparer. On va prendre exemple avant. Li pas en question de quota seulement, li en question de bay fam yo bourade depuis là ti moun pou capable développer capacité. Par exemple, l'aide du quota son quota de qualité pour lui. Exact. Par exemple, je dis la question des élections. Ou ka bouke mette quota, mais élection c'est choix. C'est une décision personnelle. Si demoiselle là ou bien ti fi ou gen la ka ou ak vin fam de mer, li pas jamais apprendre que fok li d'accord décider pour que li participer dans élection. Même si tu es forcé vin candidat. Jodi a, nous même dans Renaissance on a fait un diagnostic sur les mairies. En pile toute mairie gen on fam, mais regardez pour qui wol fam yo jwenn nan mairie. Yo marginalisé parce que en pile fam gen nan mairie son garçon ka choisi qui dit me pral fò magistrat. Jodi an la question c'est aller porter débat dans espace qui pi ba pour que fam yo commence comprendre que yo son groupe majoritaire même j'ai la jeunesse pour impliquer ou occuper espace de bio gen. Alors on by de rencontre c'est la parole. Mbazi totalement à l'encontre de ça juge midi. Mais permettez-moi dire que d'accord que société on gen li formaté l'esprit femme mieux, l'esprit jeune fille. Mais permettez-moi dire tout que pour me répéter mon William Shockley que l'avenir appartient à moun qui brise code, qui brise loi, qui brise règles. Si je dis je dis que mesdames yon rete suivre sa société a dit que yo doit faire sa société a dit que yo doit y on nous garantit que on parle de briser code, briser barrière, mais moun ka briser code ça faut que gen outil pour briser. Non mais je dis mesdames yo gen outil non mais dans pile femme qui forme dans pays on pas baï tête nous menti. Je dis là nous jeune pile mesdames à maîtrise non mais nous jeune pile mesdames à doctorat non mais mesdames pas un problème de connaissance, pas un problème de potentiel, pas un problème de capacité. Mesdames un problème de prendre initiative, un problème de prendre engagement et gen pile femme dans société qui prend engagement et qui installe au Kishita. On ka prendre je dis par exemple femme de Daniel Ajak qui était passé justement dans le gouvernement jeunesse, qui prend des initiatives. Et Daniel Ajak, son élément incontournable, je dis, dans le combat pour les gens. Donc, le problème, ce n'est pas que la société en formée, mesdames, mais formatée, mesdames, de telle façon ou bien de X façon. Mais tout le problème, je dis, c'est est-ce que mesdames, vous prenez initiative? Parce que vous m'avez dit encore, vous n'avez pas fait cadeau. C'est prendre ou prendre initiative jusqu'à ce que vous dites que vous faites valeur tête tout, ou méritez ça, ou prendre. Très bien. Question intégration jeune yo jeune tap gade là li gagne paramètre ça question genre là tout qui extrêmement important là dedans et jeune yo là qui ensemble avec nous sur plateau a sorti bail et opinion yo montrer que gagne des fois son penser pas forcément ça bien que faut nous pas tête nous menti tout n'a vivre dans société côté femme dans les mêmes bon gens société a construit bon gens société a weli et faciliter garçon ta ka gagne pour lui même état intégrer quelque espace n'est pas forcément même facilité à pour femme dans tout bien que des monde qui a dit inverse ça tout aussi vrai que ça m'a dit là journée aujourd'hui qui place pour jeune yo en dans espace politique là son question importante mais qui jeune nous même journée aujourd'hui jeune qui engagé nous capable mesurer justement place que au bail jeune yo dans espace là est-ce que nous gon gens nous même nous enquêter nous garder espace qui permettent que nous ouais et niveau d'intégration jeune yo. OK même question ça m'a pas abordé parce que moi au cœur de l'expérience moi pense il faut la prédication par l'exemple. Parce que je dis faut que nous d'accord tout grand pile jeune qui remettez en question implication parce que j'ai été gon jeune qui était modèle yo. Et puis, vous saisissez que jeune ça a intégré des espaces, ou bien jeune ça a occupé des fonctions, mais jeune ça a fait pire
que Yenel t'a critiqué. Moi-même, je dis, moi, je voulais que y ait deux jeunes aujourd'hui dans le pays qui servent comme des étoiles. Faut que je nous d'accord que nous avons un poids historique sous donne. Le nous arrivons nous-mêmes, nous intégrons l'espace politique et économique. Ce n'est pas tout le monde qui a fait. Il y a un monde qui dit, quatre, mais ma carte est intégrée. Bon, monsieur, monsieur. Il y a un autre jeune qui dit, mais Josh est intégré. Un an, deux ans, Josh est galvaudé de toute valeur. Monsieur vient plus mal que ancien monde nous a critiqué. Et puis, qu'on a fait, ou encore mettre de plus gros murailles. Mais là, pour l'autre jeune intégré. C'est pour question d'individualité, son problème de système, et ça, vous allez voilà pourquoi, moi-même, je dis, et c'est ça, Mabdou. Je n'y suis supposé d'accord que s'il y a intégré des espaces, il faut que vous cherchiez une masse critique de jeunes pareils qui comprennent le changement même gens. Ne serait-ce que nos partis politiques, par exemple. Si nous, trois jeunes dans le parti politique, c'est votre qui fait. Eh bien, nous mettons un jeune garçon président parti, nous mettons un jeune garçon vice-président. Mais si c'est deux jeunes qui sont intégrés, jeunes, ça va l'obliger à faire allégeance à caprice dirigeant conservateur que nous relayons, pour lui-même lui héberger tête li, et le sale pas vint tout nos modèles pour l'autre jeune, il vint tout nos pitons déception. C'est comme ça, moi-même, je pense, jeunesse là, je dis à jeune garçon, jeune femme qui c'est deux étoiles, tant pile, tant pile. Contrairement à ce monde à penser, nous, mon société qui pas chercher l'étoile, qui pas chercher lumière, qui pas chercher succès pour mettre en valeur. Tant pile jeune là, dans l'équipe espace qui est capable de servir de modèle. Moi, je dis aujourd'hui, en société, de créer plus espace pour jeunes ça, parce que bon jeune femme qui grandisse, c'est tant la peine de représenter une jeune femme qui fait succès avec toute barrière que la société a gagné. Et je dis, c'est ça pour nous pocher, c'est pour ça moi-même, je toujours dit même parole là. La jeunesse, c'est le groupe majoritaire de la société. Si nous estimons que nous sommes victimes, c'est mindset là pour nous changer. Comme nous, puis plus, je vais regarder qui ça m'aime. C'est politique m'aime. Qui espace là m'estime que y a deux jeunes qui plus ou moins commencent à ouvrir brèche là pour m'intégrer, pour me créer majorité, pour me créer rapport de force là, pour nous faire changement, je nous comprends ni, mais plutôt un changement au profit de la majorité. Jeunesse, c'est moteur changement, c'est moteur l'histoire. C'est. Si on regarde des interventions, on va comprendre que pour nous arriver là, pour nous avoir des jeunes vraiment qui sont moteur changement, moteur l'histoire, il faut que les jeunes soient non seulement bien préparés, mais tout, que les jeunes aient le sens de l'engagement. Donc, ce sont des jeunes qui ont été instruits à la citoyenneté. Je vous dis, c'est un élément, nous sommes capables de dire, sans qu'il y ait trop gros peur pour nous tromper, nous, que le sens de la citoyenneté, li manke en pile la ka jeune nou. Nou pral gen pou nou kontinye débat nan dernier ligne droite émission an, mais n'ap fè ça tout de suite après pause là. Haïti 360, c'est émission ça nan moment k'ap passé sur chaîne télévision l'État et n'ap débat yon thématique qui m'pense qui intéresse société d'une manière générale. C'est plage jeune yo an nan espace politique là. Parce que fort souvent, je n'ai pas vraiment bon place que vous faites pour vous. Et gens, différents intervenants nous, t'as dit tout à l'heure là, faut que vous forcez les verrous pour arriver à jouer nos côtés pour vous exprimer. À ce moment-là, nous avons la possibilité à la jeunesse, en une émission ça, mais pour vous dire, justement, à qui ça vous êtes confronté comme problème, qui ça vous a fait pour te résoudre le problème ça et qui côté vous y jouez aujourd'hui. Il y a une question, et nous avons la question de pertinente, mais la réponse à dire vraiment c'est pertinente. Gade moun kap gade nou la, yo ta di ket, c'est des jeunes qui ta réussi vraiment. Mais est-ce que jeunes sa yo, c'est vraiment ça n'a des moteurs de changement, des moteurs de l'histoire? C'est pas des jeunes qui ta manipulé par des mains habiles de leaders politiques, qui ta mette au devant de la scène, fait comprendre que gon changement, gon renouvellement en de cadre, alors que dans les faits, c'est pas vrai, Georges Pierre Baptiste. Et dis-nous, qui jouent ou ont telle réflexion? Moi-même, et tant qu'on me dit, et différentes façons dans toute intervention mieux. Je dis alors son jeune, faut d'accord que ou son exception dans une société qui ont pas quatre barrières. Je dis un moment des jeunes yo retourner dans espace d'origine yo. Parce que sous bon impact ou café comme jeune que ou est réussi, oui ou réussi ou bon société qui a 11 millions de monde là dans l'environ. Ou passer dans société ou vin jeune député, jeune sénateur, jeune ministre ou vin vice président d'un parti politique. Maintenant séparer t'es seulement un petit espace institutionnel là pour habiliter qu'on a fort tourner dans qui zone pour sortir. Moi-même je dis hein, m'a dit très clairement moi a essayer insuffler à ma manière ça que moi symboliser comme succès en termes de motivation à jeunesse la Caïmerie parce que moi n'ai pas qu'à faire sur tout pays hein. C'est vrai moi plateforme émission côté que m'a essayer influencer mais si m'ai bon contact direct ne serait-ce qu'un success story raconter jeune homme qui sacrifice que m'ai fait ma carte tu t'as dit tout à l'heure. Pas qu'il y ait qu'un jeune qui émerge là qui fait ta cuillère l'on embouché. Nous, tout est à un certain moment de la durée, tu es souffri.
Nous tous, tout à un certain moment de la durée, était chita sur certaines valeurs que papa, le maman, nous t'aimait. Nous n'avons pas de question à tout, parce que nous n'avons pas de garde autour. Nous avons dit que je ne sais pas, qui ont mis au devant de la scène, est-ce que pas un monde qui est derrière, qui a joué sous code là, qui a dicté une manière d'être et manière de faire? Non, non. Maintenant, c'est ça que fait me dire, garder cheminement jeune. Yo. C'est ça que fait un jeune doit être prudent, je dis alors, paraître comme monde qui réussit. Faut capable, bien capacité pour que. 2-3 ans après, et puis mon dit, oh, regardez, monsieur Makati, c'est sous bluff, monsieur T, c'est un job, monsieur Tap fait. Je dis, je ne vais pas prendre responsabilité pour tout jeune, mais moi, sûr que jeune, je dis, à qui il veut passer, pas supposé qu'il te manipule. Et moi-même, qui n'ai pas l'espace politique, je vais vous dire, c'est moi qui ai choisi candidat pour vice-président. Pas de bon monde qui dit, mon cher candidat, je supporte. Et c'est moi qui choisis faire politique, et pas ni maman, ni papa, qui dit, je suis nous au café politique. Décision, là, c'est au prêt, et au compte qui chasse symbolique que le poté. Combien de monde qui a gardé? Je dis, c'est. Des milliers de monde qui regardent, je dis, samedi là, Lionel, il était pour l'histoire. Très bien. Si 2 ans après m'entrer de fond l'autre bagage, c'est moi qui apprends. Et c'est pour ça que j'ai invité mes collègues jeunes, amis, mes frères, mes qui dans tout le pays, qui prennent des initiatives avec autant de difficultés, que vous avez un peu de sacrifice pour continuer à faire, pour continuer à porter bataille ça plus loin. Pour 2-3 ans après, il y a des gens qui disent, mon cher, ouais, c'est son job, il ne faut pas, monsieur, je ne peux pas que jeune. Alors, Jean-Marc, tu nous rentres rapidement. Est-ce que. Sans crainte pour nous tromper, ce n'est pas des jeunes manipulés qui ont un espace pour évoluer. Et je ne vous dis pas qu'il y a que les ronins sur tout écran télévision qui ont réussi. Est-ce que vraiment il y a espoir pour la jeunesse et de manière libérée et mieux occuper des postes en Nabé? Ok, première part, je m'a dit est-ce que nous réussissons? Non, nous n'avons pas réussi. Nous avons réussi, nous avons senti tout le mauvais que le travail nous a fait. Hein? Haïti commence à respirer l'autre souffle, Haïti commence à respirer l'air. On ouvre l'air. Donc là, nous avons réussi. Très bien. Là, nous avons un cheminement, nous avons une route, nous avons un travail vers la réussite. Et réussite, là, peut-être pour une génération de jeunes libres, ça va. Ce n'est pas une réussite personnelle. Ce n'est pas parce que des jeunes sénateurs, des jeunes députés, des jeunes ministres, mais je veux dire, je fais partie de la génération debout, des assistants, une conseiller président. Non. Ce n'est pas ça que réussite là pour peut-être un pile dans le jeune leader, je veux dire. Réussite là, je veux dire, c'est que Haïti côté l'IA, nous voulons retirer le côté l'IA pour nous mettre le pivot, pour nous pousser le devant. Est-ce que nous manipuler? Jusqu'à preuve du contraire, moi-même personnellement, je suis honnête à tête, je souligne que l'éducation par en bas, moi, premièrement, mais. Par rapport avec choix que j'ai fait depuis le Parlement jeunesse, je suis entré en 2009 jusqu'à jeudi. Choix d'études tout. Bon, choix d'études, mais ligne que je voulais prendre dans la société. Par exemple, je suis un monde qui parle, mais je ne mets pas la parole dans la bouche. Et je suis un monde qui a invité à plusieurs reprises dans des partis politiques pour me venir membre. Et jusqu'à récemment, semaine dernière, là, que y a invité pour me venir membre des partis politiques par rapport avec sa partie politique, ça représente c'est tout souterrain, ou t'es qu'à intégrer, mais jusqu'à présent, moi, j'aime intégrer un parti politique. Moi, je choisis de faire partie d'un mouvement, l'aime quitter le gouvernement jeunesse, faire partie d'un mouvement qui est les générations debout. Et jusqu'à présent, après génération debout, pour que j'aime prendre pièce initiative publique. Ça veut dire son mouvement qui a structuré tête li, qui a organisé, qui a formé tête li. Parce que pour la simple bonne raison que Jean-Georges Missot dit là, nous pas voulu paraître jeudi là, et puis pour 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, je dis que c'est des opportunistes que nous y sommes, c'est des postes politiques que nous avons besoin, c'est des jobs que nous avons cherché, c'est des potes que nous avons besoin d'ouvrir justement pour tête nous, et non faire un bagage qui a quitté une valeur ajoutée à la société. Moi-même, ben, c'est, oui, il y a des jeunes leaders jeudi dans la société qui quittent ou manipulent, malheureusement, mais il y a un pile de jeunes leaders, Jean-Georges Missotil, qui sont des modèles, des exemples, et que la société est supposée vendre, et que nous-mêmes, l'autre jeune dans la société qui n'est pas forcément dans la politique, par exemple des jeunes qui travaillent dans le domaine multimédia, pour qu'ils ne soient pas produits des émissions pour vendre le modèle ça. Des jeunes qui sont des présentateurs, des animateurs de radio et de télé, pour qu'ils ne soient pas fait beaucoup plus d'émissions quand tu as invité des jeunes comme Georges Mi, avant d'être comme des modèles de la société. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi-même, je ne suis pas manipulé, je suis souligné, je suis choisi depuis que je suis entré dans le Parlement jeunesse jusqu'à jeudi. Nous arrivons dans le dernier moment émission, hein? Une émission qui est vraiment très intéressante. Parole jeunesse, ça, c'est parole l'avenir, c'est parole changement, c'est parole tout pour construire l'histoire en l'autre façon. Mais je tape vraiment, et Jean-Mounoué me dit, il y a des problèmes avec propre tête. Moi, si je suis fini l'émission, ça, sans me adresser question ça à deux jeunes nous qui sont sur le plateau ensemble avec nous. Monsieur, il y a qui est extrêmement important, une critique que toujours fait. Je ne joue pas le sens de l'histoire. Le fait que son jeunesse qui est très branché,
le fait que son jeunesse qui est hyper connectée, jeune ça, on peut dire presque outrageusement tourné vers l'avenir, la question de l'histoire n'est pas vraiment intéressante. Mais comment on peut changer un bagage que nous pas vraiment connu qui s'allie? Qui peut changer un système, agir son système, alors que nous pas maîtriser vraiment le système là? Et question sur opposée à Lionel, il peut faire tourner à Samdere, les générations spontanées. Je dis à nous, chaque qui a une conception de changement. Mais il est clair que si on ne apprend pas, si on ne cherche pas un pays, ça, sous qui ça le construit. Je dis, hein, nous avons un pays côté clivage de juin, juillet à pouvoir. La jeunesse a fait clivage avec aîné, les riches ont fait clivage avec les gens qui pauvres, les gens qui sautent la ville ont fait clivage avec les gens qui pauvres. Alors que nous avons un pays pour nous tous. Moi-même, je dis, hein, pour que, en tant que jeune, c'est ça que je dis, bah, la question de jeune, sous question de l'âge, ils sont question de qui sont qu'on fait et dans qui. Au regroupement qu'on a qui est parce qu'on est pour faire ce qu'on est pour faire. Moi-même, moi, je dis, hein, font une enquête dans le secteur économique. Il y a deux jeunes, je dis, qui créent des entreprises avec plusieurs millions de dollars, mais ils n'ont pas ni papa ni maman grenègue. Mais je dis, il faut comprendre que, sous chita, sous base, mon cher, c'est, je te dis, nous branchons l'actualité, nous branchons l'avenir, et puis tu n'as aucun sens de l'histoire, on parle toujours. Renforcer clivage parce que bon groupe jeune, je dis à Cap Gouma avec Enéo, dans la dynamique que c'est Enéo pas quitter. Et puis au final, ils reproduisent même si ils reproduisent. Et c'est ça, je me dis, bon exemple, moi jeune de deux mondes, que ce soit dans des conférences ou bien dans des conversations privées, qui disent, mon cher, conseil de jeunes là, grand monde avant l'heure. Parce que là, il y a 24, 25, il y a beaucoup de 30 ans, mais là, il y a fait plus mal que ça, un ancien effet. Si vous ne retournez pas dans le temps, pour aller garder l'avion, c'est deux nègres qui étaient jeunes garçons qui s'en étaient fait. Aller garder Sacha Malper, elle était fait à 17 ans, monsieur Kimmer, hinche. Mais nègres ont été dans l'histoire. Mais nègres ont confirmé. Confirmé, nègres ne sont pas multimillionnaires, ils n'ont pas de gagner l'argent, mais nègres ont été un sens patriotique aiguisé qui fait nègres ont toujours priorisé l'intérêt collectif. Je dis à nous-mêmes, jeunes garçons, il faut nous prendre nègres comme modèle. Et c'est là nous prenons comme modèle qui peut faire que nous pas non dynamique. Je dis à Gomba qui a passé dans la jeunesse qui est extrêmement grave. C'est la cause de la richesse rapide. Un pile jeune besoin ou les derniers machines bien vite. Un pile jeune besoin une belle caille là. Alors que faut nous d'accord mes amis, à 30 ans dans un pays comme Haïti, comment pour faire pour gagner une machine 90 000 dollars américains si ou sur chemin succès normal. Ça veut dire faut que jeune yo pas aveuglé par cette course effrénée vers la richesse. Donc n'ego veut prendre ascenseur ou lieu pour escalier. Mais pensez que ce sens historique qu'on parle il est extrêmement important si nous donner dans l'histoire de ce pays firme Charles Mapper, une équipe jeune garçon jeune femme qui marque l'histoire pays ça mais yo pas de gagner 50 ans. Oui, moi, nous nous même je veux dire si nous voulons suivre chemin, il faut que nous retournions à ressourcer nous pour que nous soyons capables vraiment de mettre devant. Alors, Jean-Marie Laurent, n'a tout profité de questions pour nous être capables de conclure. Le sens de l'histoire sont éléments extrêmement importants dans construire ça nous donne l'avenir. Journée aujourd'hui, la jeunesse presque perdu ce sens de l'histoire. Et comment on peut changer quelque chose, on peut changer un système sans par contre qui un système dans construit, qui côté fait arriver là pour dire bon, on va le changement là-dedans. Bon. Personnellement, faut me dire que je lis un pile sur l'histoire d'Haïti. Et malheureusement, je suis constamment. Alors, question pas personnelle, c'est pour la jeunesse d'une manière générale. Oui, mais je commence avec tête, mais personnellement. Constat, malheureusement, c'est que même les erreurs qui ont été faites dans le passé, ils ont tendance à répéter par génération qui vient après. Je dis, c'est vrai que la jeunesse est hyper branchée, surtout les réseaux sociaux, et ils ont tendance à délaisser les choses de l'esprit, et du fait, du même coup, les éloigner totalement de. Connaît l'histoire la Cali, connaît l'histoire pays. C'est bien malheureux. Mais en même temps, votre jeune dans la société hein, qui est très intéressé par le modèle d'homme dans le pays qui est fait dans par exemple, on est avec Emile Sello, et les jeunes Emile Sello, c'est idole, c'est modèle pour eux. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont boumé dans des espaces politiques, dans des espaces économiques, dans des espaces culturels, pour gagner terrain, pour venir occuper des fonctions dans la société haïtienne. Mais en même temps, moi, mal et non l'autre démarche. Je dis en 2018, nous sommes ratés 200 ans d'indépendance, nous avons goûté, nous avons voulu aller, nous avons fait manifestation. Et de 2004 à aujourd'hui, nous faisons quelques pas, certes, mais nous avons fait grand pas, côté que le monde a ébloui pour ça nous réaliser. Nous avons 250 ans d'indépendance qui sont venus. Dessalines fait par là, Toussaint fait par là, Christophe fait par là, et Alexandre Pétion fait par là. Mais pour la génération par là, qui s'en veut faire? Qui ça nous va faire, qui ça nous compte faire. C'est ça que fait l'idée, par exemple, c'est qu'en 2054, c'est l'idée moi à suivre que le premier président du gouvernement jeunesse, c'était Alexandre Telfort, pour nous, Haïti 2054. En 2054, côté que nous allons fêter 250 ans l'indépendance, nous, on réécrit l'histoire d'Haïti. C'est vrai,
pionniers ont joué Wallio et ont été joué Wallio. C'est vrai qu'ils ont une belle histoire pour nous. Mais je dis, on a vécu une passé glorieuse. Histoire nous c'est belle, histoire nous c'est inspirante, histoire nous c'est une plus belle histoire qui existait à travers le monde. Mais en 2054, côté que nous allons fêter 250 l'année l'indépendance, nous génération ça. On bat pour nous mettre nous ensemble, on suspend gourmet pour ça qui n'a pas d'importance, on ouvre Haïti d'abord. En 2054, nous allons fêter 250 ans l'indépendance, nous on réécoute pour pays ça, on réécrit une nouvelle page d'histoire d'Haïti. Très bien. Construire l'histoire d'une autre façon, c'est une mission. Haïti 360 toujours baille tête li chaque soir là nous gagner pour nous permettre que ou découvrir d'autres thématiques en dans espace social haïtien qui a primé bil moun k ap vivre dans société nous essayer puis dans mesure que nous capable pour nous porter éclaircir sur mais parole là pas jamais suspend parler même le son seul grain moun k'ap parler mais elle t'a plus bon c'est de plus moun qui engagé jeune ça qui ensemble avec nous sur plateau il aime le faire travail en pile il faut construire un autre haïtien un haïtien qui gagne le sens de la citoyenneté qui gagne le sens de la patrie un haïtien qui croit que projection que le café capable concerner Haïti d'abord au lieu d'y projeter l'autre côté un haïtien qui traverser les frontières de l'aliénation pour le dire tête lui c'est haïtien d'abord et faut le bataille pour pays net à tout le monde qui vivre là-dedans mais son effort collectif j'en ai toujours dit et j'en jeune aussi dit monsieur c'était un gros plaisir pour nous de recevoir dans l'émission hein. Nous espérons que grand pile l'autre jeune qui éclairé qui a gagné pour vinn boucanter parole avec nous sur plateau télévision nationale d'Haïti mais pour assoya n'a pas campé là n'a pas cassé rendez-vous pour l'autre édition Haïti 360 côté parole éclairée a toujours continué pour tes lumières baou en dans la caille. Bye bye tout le monde.